Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. La paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Amen. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Mettez-vous debout pour chanter avec nous les paroles se trouvant au numéro 69 du recueil des chants d'espérance français. Brisant ces liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Le ciel, la terre ont chanté. Alléluia. Jésus a ressuscité. Alléluia.
Invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière. Ô Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire soit à toi. Gloire soit à toi, ô Dieu, notre Père. Gloire soit à toi, ô doux Jésus, le divin ressuscité. Gloire soit à toi, ô Saint-Esprit, notre guide, notre conseiller. Ce matin, c'est avec joie, ô tendre Père, que nous sommes entrés dans ce sanctuaire pour célébrer la vie, le retour à la vie, la résurrection merveilleuse de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Sauveur. Fais donc, ô Dieu, que ce matin, nous puissions unir nos voix pour faire monter vers toi des hymnes de louange, de gloire. Que nos Alléluia montent vers ton trône pour célébrer avec les anges du ciel la résurrection de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Merci d'avoir rassemblé tes enfants ce matin comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Merci de ce que le Saint-Esprit nous anime tous ce matin. Fais donc, ô notre Dieu, que les paroles de nos cantiques et la méditation de nos cœurs montent vers ton trône comme un parfum de bonne odeur et te soient agréables. Entends notre cri et daigne nous exaucer, puisque nous te prions. Au nom de celui qui nous a appris à te parler ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons lire alternativement le psaume 100. L'Assemblée lira d'un trait les versets 4 et 5 quand nous y parviendrons. Psaume 100, psaume de l'orange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Oh.
frères et sœurs bien-aimés, le Christ est ressuscité. Il a vraiment ressuscité. Maintenant, écoutons la chorale de l'Église dans une première interprétation à la gloire de Dieu. Thank you.
deuxième lecture de la parole de Dieu. Cette lecture se fera dans deux portions différentes. L'une dans Jean, chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 18, et l'autre Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 22 jusqu'au verset 24. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, « Ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu ? » Elle pensait que c'était le jardinier. Il lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourna et lui dit, « En hébreu, Rabboni, c'est-à-dire mère. » Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'il avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Actes chapitre 2, du verset 22 jusqu'au verset 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en lui livrant les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par cette parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, pour aller au pied de la croix, vous allez chanter avec moi les paroles du cantique se trouvant au numéro 207 du recueil de la Espérance française. Dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. 207 français à l'Espérance. Thank you.
Seigneur, qui livre et livre et âme,
sur ta instrument, Seigneur, dans la bonne foi, parole ou assise. Va pour ce temps, nous pouvons tout le monde qui a fait un travail pour nous, ça ne va pas arriver ça. Nous m'adorons à vous, Seigneur. Toujours, c'est pour élire, à quelle ceinture, pour les ceinturer, en plus, au fait qu'il a abandonné. Les valises, force à devoir, Seigneur Dieu, pour le connaître, Père, travail là, c'est ton travail qu'il a fait pour l'homme, mais ton travail l'a fait pour vous-même, Seigneur Dieu. Et recommence-lui par nommer l'homme la pied, c'est nommé au Seigneur. Et par lui-même seulement, et tout le monde, Seigneur Dieu, qui pense à ici. Parce que la vie, par où le dit, c'est pas ton qui va au bout du verre. C'est à vous-même qui lui va aider, Seigneur. Au Dieu, les gens sont au temps. Mais mettre tout cas, vivre avec le même amour, une même âme, une même pensée, Seigneur. Pour que vous pas aller en arrière, mais vous allez en avant, Seigneur Dieu, et nous t'attendons pour la Seigneur.